Elle va être avec moi tout au long de la cérémonie. En tout. Chers nommités, chers invités, chers ministres, chers lauréats, bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans la salle de l'hôtel Sheraton à l'occasion de la cinquième nuit de la nuit du Kewale, dénommée Kewale Awards. Comme vous le savez, cela fait 6 ans que le magazine Kewale People s'est donné le dur rôle d'identifier les prières de la jeunesse malienne pour le développement du pays. Nous nous sommes donné pour objectif de mettre en exergue les efforts des jeunes entrepreneurs politiciens de tout genre pour un Mali meilleur. Ce n'est pas facile, mais nous tenons et nous arrivons chaque année grâce à votre compréhension, à votre engagement et à votre solidarité. La nuit du Kewale, comme son nom l'indique, récompense les jeunes les plus influents du Mali, tous les prestigieux prix Marouda Kolo décernés aux jeunes les plus influents. Nous sommes convaincus que ce projet contribue tant bien que mal à encourager de plus en plus nos compatriotes afin de surpasser et aider le pays à s'inscrire dans la dynamique de la mondialisation et du développement. Mesdames et Messieurs, c'est 23 août 2029 et 2020. Nous sommes dans une nouvelle étape de la vie du Mali qui nécessite un engagement fort de tous. Plus que jamais, nous sommes condamnés à relever les défis pour un avenir radié. Et le magazine Kewale People demeurera engagé auprès de la jeunesse du Mali. Nous contribuons à travailler et à jouer pleinement notre rôle de médias dans la vie de la nation. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon intervention sans préciser que l'initiative de la nuit du Kewale n'a pas vocation de créer de la concurrence entre les jeunes, mais plutôt de créer un espoir de reconnaissance des époux. La diva, la carotte, la mata, 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 la
acclamer pour Sadio. Merci lui d'avoir été parmi et le choix se porter sur lui pour être parmi les 21 jeunes les plus influents du Mali. Voilà, on donne au moins 2 secondes pour immortaliser pour que les caméramans professionnels puissent immortaliser ça. Merci, monsieur le ministre, vous restez avec nous. Sadio, vous pouvez venir. C'est quand même pas qu'à merci et félicitations. Félicitations pour tous les amis de Mali. Voilà, on continue maintenant. Voilà, voilà. Et je rappelle que vous aurez aussi des mots de ces personnes lauréats avec les tout à l'heure. Voilà, merci. C'est fait 3 secondes rapidement en photo. Merci, courage et félicitations. Bonne chance pour la suite. Alors, on continue. Si ça tourne, c'est en bas. Ok. Alari H. Si c'est intégré, les femmes. Voilà. Avec les femmes, j'ai toujours dit le Mali avance. Voilà, 30 secondes, 5 secondes pour immortaliser. Voilà, et je vous rappelle que c'est juste la récompense et la remise des trophées de champion d'abord, avant de faire la différence entre les catégories. On continue le nom rapidement. Fama Diarra. On ne fait pas attendre le tennis. Vas-y. Fama. Fama Diarra. C'est bien qu'on fait Fama Diarra. Fama Diarra, aujourd'hui, qui fait quand même la fierté de la jeunesse du Mali, connue à Paris ainsi qu'à Bamako. Et pour madame, je tenais à vous remercier personnellement d'être à mon spectacle à Paris dans la salle Pompidou dans le 11e. Merci pour ton déplacement. À la télé, voilà. Voilà. Et tout à l'heure, la présence de Ibama de l'autre côté, mais nous enchaînons. On continue le nom. Voilà, nous sommes en train de faire la distinction entre
Madame Nyamoui Touré pour la remise des trophées. Voilà, rapidement. La promotrice est décoration Mikara Yampi, Annie Nipel Yari. Pour le moment, nous sommes avec Madame Nicole. Applaudissez pour elle. Voilà. Et Basque Malo, tu restes avec nous, il y a une surprise pour toi. Voilà. Et rapidement, vas-y, tu avances comme la dernière fois. Je t'explique le concept. C'est très simple. T'as le trophée, vous vous mettez ici, tu donnes le trophée au lauréat, et on immortalise au moment 30 secondes et paf. Voilà, rapidement. Il est quand même. Le manager de l'année le plus influent. Bon, c'est pas mentionné. Créateur de mode le plus influent. Tahara Touré. Alors nous allons appeler le professeur Monsieur Cheikh El Mouhtar Kone. Monsieur Cheikh El Mouhtar, il est parti. Monsieur Kassim Soumano. Bonne nuit. Les gens vont se poser souvent la question, pourquoi le choix s'est porté sur Baroniba? Je crois que Baroniba, au départ, Cheikh Abbas a beaucoup travaillé avec lui pour l'évolution et pour la réussite quand même du concept. Donc Baroniba fait partie de l'histoire de Kewale People. Il mérite ça aujourd'hui. Baroniba, il va y avoir ton premier macaramé dans ton pomme. Allez, t'es gagné, allez, t'es gagné, là. Il est prophète. Rapidement, approche.
Je suis très heureuse de recevoir ce prix et je le prends avec beaucoup d'humilité. Et je le dédie à toutes mes sœurs, les femmes leaders émergentes, Arriva, Céla, Soir et toutes les autres. Et je le dédie à ma diva aussi qui va. Merci beaucoup. Voilà, on continue toujours. Je vous rappelle que c'est pas le meilleur dirigeant sportif le plus influent. Monsieur Haruna Maiga. Voilà, monsieur Haruna Maiga, trophée que Paloniba va nous mettre. Toujours la présence de la Diva Oumsanabe. Et sans oublier, voilà Paloniba qui continue. Voilà, un mot. Bonsoir tout le monde. Je tiens vraiment à remercier l'initiateur de cet événement, Abbas. Mais je tiens aussi à remercier tout le public qui a fait le déplacement pour venir nous honorer ensemble avec Michel Abbas. Moi, je suis à la tête d'une équipe de 19 personnes. Ce trophée à tous les membres de la fédération, mais également à tout le monde du basketball. Et Inch'Allah, nous allons rehausser le drapeau malien là où il le faut. Et Inch'Allah. Et je voulais aussi rappeler rapidement, après ça, il y a encore deux trophées. Communicateur, c'est bon ? Deux trophées. Monsieur Malik Konaté. Malik Konaté, tu peux donner le micro aussi, il va dire un mot. Et après ça, il y aura deux trophées encore. Le trophée de... Je vais garder la surprise, le suspense. Au moment de l'envoi de l'équipe, donc ça continue, il reste deux trophées. Voilà. Je peux pas le... Vas-y. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir. Je pense que c'est ce soir qu'on s'est vu pour la première fois. Et à chaque fois, quand j'entends aussi une récompense ou une cérémonie d'organiser une récompense, j'essaie tout le temps d'éviter parce que c'est une lourde tâche d'avoir une récompense. Ça veut dire tout simplement que je vais toujours continuer à émerger dans ce sens-là. Et le jour quand j'ai vu sur Facebook quelqu'un a partagé à mes tagant sur la publication en disant que Malik a été nominé pour être le jeune le plus influent communicateur kiwanais, je me suis dit bon, la personne ne m'a pas contacté au début, sinon j'allais dire franchement moi, personnellement, je suis un débrouillard, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie toujours de faire de petites choses à côté. Et d'être le compensé, ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau, il faut toujours être là-bas. Et un diplomate, un jour, il m'a dit, le succès, c'est un fardeau. Il faut toujours essayer chaque fois de déposer quand il faut et la reprendre aussi quand il faut. Et depuis ce jour, j'évite chaque fois d'avoir une récompense parce que quand il y a une récompense vraiment, il faut toujours la prendre. Quand il faut, et souvent il faut la déposer aussi, et essayer chaque fois de prendre pour avancer. Donc je remercie les organisateurs, et je remercie l'ensemble aussi, les membres de Kewale et Chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Konaté. Alors, l'artiste le plus influent, M. Ibawan. Merci. Le micro. Ok, bonsoir tout le monde. Je suis très très content d'avoir reçu ces deux trophées. Et c'est la musique malienne, la musique malienne. Et mon ambition aujourd'hui, c'est d'amener Grammy Awards et Pity Awards. Je suis très content. Merci à tous les organisateurs, à Bas et tout son staff. Et merci à tous mes gladiateurs, la team gladiateurs au grand. Ouais, il n'y a pas de problème. Si le DJ est prêt, je vais vous chanter ce soir une chanson de mon album intitulée Djabo Kalitro, bon marché est bon. Ça veut dire Ibaka Djabo Kalitro, trop, trop, trop. Trop, trop, trop. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour.
Voilà, parce que la dame elle a bien entendu aussi, c'est important. Mais... voilà. Alors, continue, elle fait la promotion de la mode. Ouais. Très connue en plus. À travers les produits locaux. Voilà. Et elle s'est Tahara Touré. Tahara Touré. Cette année à l'hôtel Sheraton. Toujours. Voilà. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier Abbas. Déjà, je ne m'entendais pas à ça du tout. Moi, je suis Tahara Touré. Je fais la promotion des stylistes maliens surtout. Et tout ce qui est produit locaux, c'est vrai que ce soir, je ne suis pas habillée comme ça. Et opératrice culturelle, membre du réseau KIA, le réseau des organisations culturelles du Mali. Merci. Merci à toi. Félicitations et bonne chance. Ça fait plaisir. Alors, oui. Valoriba, il y a toujours Iba aussi qui est de l'autre côté. Il va bien encore, oui, déjà, même la fois. Ah ouais. Donc voilà. Ça va pendant qu'elle n'est pas là, pas qu'elle a monopolisé, masculinisé. On ne sait jamais. Vas-y. Là, Nicolas a pas qu'elle a foutu. Ah, c'est grosse, c'est un fin d'homme. Mais bien fou. Voilà. La tête est moi qui est le prochain, il n'a pas de bêta, qui est comme Malika dit, pour bien l'éveil. Voilà, Malika dit bien l'éveil. La chef l'a vu au moins son hack. Pour un homme, on dit beaucoup de monde. On va dire là, on va vous nous gagner, on va nous gagner la jette. Pour immortaliser l'histoire du Mali, ce soir Clément Tombé est l'ex-ministre de la jeunesse qui se serre la main pour dire que le Mali est un et indivisible. Pétain le téléphone. Merci. Demain Bensou. Demain Bensou. Nindiara Djeli Manani Djabati Kadako Sabaka Suinaya. Nenga ministre de l'Europe, ministre de Mali, Mali, merci, Mamma, 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 mam
Que ahí es pero que ni tu tiene que fuese ya y más ni de correr.